Yo l'équipe, c'est Song et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur GTA 5 Online. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Comme soir au titre de la vidéo, on se retrouve pour un tout nouveau glitch qui va vous permettre de récupérer les véhicules qui sont à livrer dans l'atelier auto. Donc là, la voiture que j'ai derrière moi, vous allez voir l'équipe qu'on aura la possibilité de la récupérer dans notre garage. Ce qui est bien avec ce glitch, c'est qu'on aura la possibilité de débloquer des roues qu'on n'a pas la possibilité d'avoir. Par exemple, vous allez voir à la vidéo, je vais mettre des roues qu'on a la possibilité d'avoir seulement au niveau 100 de réputation. Pour ma part, je suis même pas niveau 10 et je vais avoir l'occasion de récupérer les roues de niveau 100 alors que je suis même pas niveau 100. Ce que vous allez faire l'équipe, c'est que vous allez vous rendre dans une session sur invitation et vous allez avoir besoin de l'aide d'un ami. Ce que je vous conseille de faire également l'équipe, c'est que vous allez mettre votre point d'apparition soit au bureau de PDG ou soit au salon auto. Vous allez voir que pour la suite de la vidéo, on va devoir se bugger et on aura donc besoin soit du bureau de PDG, soit du salon auto. Je remercie également Luxor qui m'a aidé à faire cette vidéo, sa chaîne se trouve dans la description, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre dans votre atelier auto, vous allez prendre un véhicule que vous devez livrer, et ce que vous allez faire, c'est très simple, c'est que vous allez customiser le véhicule au maximum comme vous souhaitez l'avoir dans votre garage. Donc là, comme vous le voyez actuellement à la vidéo, je suis en train de customiser le véhicule au maximum. Ce que je vais faire, c'est que je vais également mettre des jantes, donc des roues qu'on a la possibilité d'avoir au niveau 100 de réputation. Moi, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne suis même pas niveau 100. Et grâce à ce glitch, on aura la possibilité d'avoir un véhicule avec les roues, des jantes qu'on ne peut pas avoir en temps normal si vous n'êtes pas au niveau requis. Donc là, ce que je vais faire l'équipe, c'est je vais faire un accéléré avec la customisation du véhicule en accéléré. Dès que vous avez fini de customiser votre véhicule, vous allez sortir de l'atelier et vous allez demander à votre ami qui vous rejoint devant l'atelier. Donc je vous fais un accéléré et on se retrouve directement une fois que je serai avec mon ami. Donc là voilà, mon ami m'a rejoint, ce qu'il va donc faire, c'est qu'il va se mettre en face de la portière côté passager. Nous de notre côté, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir faire start en ligne éditeur. Et notre ami lui, donc nous on va aller en éditeur, et dès que notre ami va nous voir sortir du véhicule et courir, il va devoir spammer le bouton triangle pour pouvoir monter dans notre véhicule. Donc c'est vraiment super simple, là regardez, donc mon ami est bien en face de la portière, je fais start en ligne éditeur. J'accepte le message pour aller en éditeur. Là, mon ami va voir mon personnage sortir du véhicule et courir. Et ce que notre ami va devoir faire, c'est qu'il va devoir spammer le bouton triangle. Notre ami va devoir spammer le bouton triangle jusqu'à ce que ça lui fasse rentrer dans le véhicule. Donc logiquement, ça va faire rentrer mon ami dans le véhicule quand je vais apparaître dans le moditeur. Donc là, à ce moment-là, mon ami aura la possibilité de rentrer dans le véhicule. Et ce que notre ami va faire avec le véhicule, c'est qu'il va pouvoir l'emmener à l'endroit du don de véhicule. Donc je vous fais un petit accéléré et on se retrouve directement une fois que mon ami se sera rendu à l'endroit du don de véhicule. Une fois que notre ami s'est bien rendu à l'endroit du don de véhicule, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir encore une fois rejoindre notre ami par la partie vocale. Donc très important, j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, mais il est mieux que c'est votre ami qui crée la session sur invitation et qui vous invite dans la session. Donc là, par la partie vocale, vous allez rejoindre votre ami dans sa session et en fonction du lieu de spawn que vous avez choisi, soit vous allez spawn au salon auto, ou soit vous allez spawn au bureau de PDG. Donc là, moi, je vous fais une petite coupure et on se retrouve directement au salon auto. Donc là, pour ma part, je me suis rendu au salon auto, donc je vais vous montrer la manipulation du don de véhicule avec la manipulation du salon auto. Donc une fois que vous êtes au salon auto, vous allez appeler le mécano et vous allez demander à ce qu'on vous livre un véhicule qui se trouve soit dans votre atelier de l'arène ou soit dans la boîte de nuit. Donc là, pour ma part, j'ai commandé un véhicule qui se trouve dans le garage, donc dans le troisième sous-sol de ma boîte de nuit. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez le faire également avec un véhicule qui se trouve dans l'atelier de l'arène. Donc là, je vais donc prendre mon véhicule. Regardez, mon véhicule a bien été livré. On prend notre véhicule. Une fois qu'on est monté dans notre véhicule, on va appuyer sur le bouton carré et on va prendre la piste d'essai. Une fois qu'on a sélectionné la piste d'essai, vous choisissez soit seul, soit avec d'autres joueurs.
Pour ma part, j'ai fait avec d'autres joueurs. Une fois qu'on est donc sur la piste d'essai, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir demander une activité à Simeon. En gros, là maintenant, l'équipe, le but du glitch, c'est que notre ami a récupéré le véhicule qui se trouvait dans notre atelier auto. Et donc maintenant, on a juste à faire la manipulation du don de véhicule. Mon ami a bien le véhicule que je veux récupérer de l'atelier auto. Et là, pour ma part à la vidéo, maintenant, je vais vous montrer le don de véhicule avec le bug au salon auto. Donc là, je suis arrivé sur la piste d'essai. Je vais appeler Simeon. Je vais demander à Simeon de me donner une activité. Une fois qu'on aura reçu notre activité, c'est très simple. On va devoir se mettre en face de la sortie. Donc, on se met en face de la sortie. Dès qu'on a reçu l'activité, on met l'activité en grand sur notre téléphone, prêt à l'accepter. Hop là, je mets l'activité en grand sur mon téléphone. Maintenant, c'est très simple. On va devoir accélérer vers la sortie. Et au moment où notre véhicule s'arrête, dès que notre véhicule s'arrête, on fait une fois croix pour pouvoir lancer l'activité de Simeon. Regardez, hop là, mon véhicule s'arrête. Dès que mon véhicule s'est arrêté, je lance l'activité de Simeon. Et là, on ne touche plus à rien. On aura un écran qui sera complètement buggé. Une fois que vous êtes dans l'activité avec un écran noir qui n'arrête pas de clignoter en arrière-plan, vous allez faire retour et vous allez quitter l'activité. Une fois que vous avez quitté l'activité, vous allez avoir un écran complètement buggé et quelques secondes après, vous allez spawn dans le salon auto avec la minimap qui aura complètement disparu. Donc là, logiquement, ça veut dire que pour le moment, vous êtes bien buggé. Une fois ceci fait, vous allez pouvoir monter dans le véhicule que vous avez commandé tout à l'heure. Donc là, pour ma part, il se trouve juste à côté de moi. Une fois que vous êtes donc monté dans votre véhicule, donc là ne vous inquiétez pas, ce véhicule là on ne va pas le perdre. Une fois qu'on sera donc monté dans le véhicule, super simple, on va pouvoir faire retour pour pouvoir quitter l'atelier auto. Une fois que vous avez donc quitté l'atelier auto, vous allez devoir vous rendre à l'endroit où votre véhicule vient. Donc soit vous allez vous rendre à votre atelier de l'arène, ou soit vous allez vous rendre à votre boîte de nuit. Pour ma part, j'ai commandé le véhicule qui venait de ma boîte de nuit, donc je vais me rendre à ma boîte de nuit. Je vous fais un petit accéléré et on se retrouve une fois que je serai arrivé à ma boîte de nuit. Une fois que vous êtes arrivé à votre boîte de nuit ou à votre atelier arène, vous allez rentrer dans le garage là où vous avez commandé le véhicule. Vous allez voir que quand vous allez rentrer dans le garage, vous allez avoir un écran complètement buggé et sur l'écran buggé, vous allez faire triangle pour descendre du véhicule. Maintenant, pour vérifier qu'on est bien complètement buggé, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir votre menu d'interaction, vous allez vous rendre dans inventaire et vous allez commander votre RC Bandito. Donc là, c'est justement une manipulation qui va nous montrer et qui va nous permettre de savoir si on est bien buggé. Une fois qu'on est avec notre RC Bandito, on va pouvoir quitter le RC Bandito et regarder si quand on respawn dans la session, on a notre joueur qui clignote, ça veut dire qu'on a bien réussi de la manipulation et donc maintenant, on est prêt à faire le don de véhicule. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre à l'endroit du don de véhicule. Regardez mon ami, il y a bien toujours la voiture qui a été dans l'atelier auto que je devais livrer. Je me rends donc contre le mur juste ici. Je vais ouvrir mon menu d'interaction, je vais me rendre dans véhicule imposant et je vais demander à ce qu'on me livre mon centre d'opération mobile. Une fois qu'on aura livré notre centre d'opération mobile, vous allez ouvrir votre téléphone mécano et là, à ce moment-là, vous allez commander un véhicule à perdre. Donc je vous conseille de commander une Eleger H8, c'est un véhicule qui coûte 0$, donc ça sera vraiment beaucoup plus facile de faire la manipulation avec ce véhicule. Donc là, j'appelle mon mécano, je vais demander à ce qu'on me livre une Elegy RH8 et une fois ceci fait, vous allez voir qu'il reste 2-3 manipulations et on aura la possibilité de récupérer le véhicule qui se trouvait de base dans notre atelier auto. Donc là, une fois qu'on aura donc bien reçu notre véhicule qu'on va souhaiter perdre, on va demander à notre ami qui descende du véhicule. Donc très important, vous inquiétez pas, notre ami ne va pas perdre la voiture, c'est sûr. Donc là, on monte dans le véhicule qu'on souhaite perdre, pour ma part la Eleger H8. Comme je viens de vous le dire, on va demander à notre ami qui descend du véhicule et notre ami va monter avec nous dans le véhicule. Une fois que notre ami sera monté avec nous dans le véhicule, il va appuyer une fois sur le bouton Options pour être sur la carte du menu Options. Et une fois que notre ami est bien sur la carte du menu Options, on va devoir se rendre derrière notre centre d'opération mobile. Une fois qu'on sera derrière notre centre d'opération mobile, on va faire flèche de droite et on va accepter le message qui nous dit que le dépôt de véhicule est plein. Et là, vous allez voir que ça va faire descendre notre ami du véhicule. Une fois que notre ami est bien descendu du véhicule, on va reculer, on va descendre de la voiture. Une fois qu'on sera descendu de la voiture, on va sélectionner le personnage Franklin.
et une fois qu'on a sélectionné le personnage Franklin, on va refuser le message. On va se rendre derrière notre centre, on fait entrer seul, et là, une fois qu'on aura fait entrer seul, on aura un écran noir et on va rester bloqué sur un chargement à l'infini. Donc une fois que vous êtes sur le chargement à l'infini, ce que vous allez encore une fois faire, c'est que vous allez appuyer sur la flèche du bas et vous allez sélectionner encore une fois le personnage Franklin. Une fois que vous avez sélectionné le personnage Franklin, vous allez refuser le message d'alerte et vous allez voir que vous allez respawn complètement invisible. Et là, ce qui vous reste à faire, c'est que vous allez monter dans le véhicule qui était dans l'atelier auto. Et là, regardez l'équipe, le véhicule qui se trouvait dans l'atelier auto a été téléporté dans notre garage. Et donc là, la manipulation est terminée. On a bien réussi à sauvegarder le véhicule. Donc là, ça nous a fait une duplication. Donc là, on a récupéré le véhicule dans notre centre d'opération mobile et la voiture d'origine est retournée au niveau de l'atelier auto. Et donc nous, on a bien réussi à récupérer des jantes que de base on ne pouvait pas avoir. Encore une fois l'équipe, je remercie Luxor qui m'aura aidé à faire cette vidéo. Sa chaîne se trouve dans la description. Voilà l'équipe, on arrive à la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, liker et partager. Et ciao tout le monde.